Miguel, tout sur le compte en anglais. Bonjour amis internautes, réfléchissons un peu sur ces sujets, ces phénomènes. Enfant de la ri ou chege communément appelé par les Kinois, to bengango bongo ba chege. To constater que ba chege, un moment, la police est comme à intervenir pour nako kanga ba chege. Mais na mukolo tozo lo ba ya lelo, ba chege ba zongi sous avec force na kati ya terrain. Ba chege ba zo botama tous les jours. Ba chege ba komi na violence moko impossible, surtout ba fille baza ba victime, voire même ibali. Pourquoi ça le téléminaré, bachege baye ba botolio téléphone ba botolio sac ba kimi. Et nous Congo Mikili avec Kadhafi Mboumboudi bien sûr, to réfléchir moke sur les phénomènes chege. Est-ce que 5 ans après, 10 ans après ba kokoma banani pona mboka na biso. Donc on a réfléchi pas na ndenge ya biso moko mais ensemble na bato mosusu ba meki pe ko émettre ba idée na bango. Comme ezali bongo lokola bachege bazali bazo existé bazo sala o bazo sala tokoki s'attendre tokoki ko s'attendre na nini quelques années plus tard bato ba meko réfléchir yope à travers commentaires je pense au ko réfléchir suivez d'abord les avis ya bato o ba meki ko lo ba micro à Kadhafi Mboumboudi et je vous retrouve juste après. Bonjour. Bon, en fait, surtout mon abachege n'engue prolifération na bango ezana kati ya ville, ezana vraiment danger. Ezana danger pour na venir ya pays, pour na lobby ya mboka. Lobby ya mboka qui touche 10 ans après. Situation en eko commande nini. Toko mon abachege na quantité nini, puis na misala nini exactement. Bon, toi analyser froidement. Au moins net na moya lelo. Phénomène Kuluna est comme juste la conséquence. Il y a des gens qui ont négligé qu'il y a de cela 6-7 ans passé. C'est le phénomène Kuluna. Bon, ceux qui ont négligé, ils ont négligé. Donc, si dans 10 ans, il y a un phénomène de gang, c'est-à-dire que tu as arrivé à un moment où il y a un quartier tu as contacté parce que tu as semé loin de la Katikuna. Solution à préconiser par rapport à eux. Bon, par rapport à la solution à préconiser, d'abord pour la lélo, il faudrait que ça l'effort qu'on revalorise les parents na bangonan. Parce que tout le monde a situation monsieur de légalité na katia. Tout le monde a situation monsieur de légalité na katia ville à Kinshasa. Bah les prolifications bah église, c'est bien bon bah église comme il belé. Mais bah église on est ko contribuer na ko bimisa bana na balabala. Parce que l'église, on a dit que papa Koufi, maman Koufi, moi, je suis allé, je ne suis pas là, 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 je ne. Donc il faut qu'on revalorise d'abord les parents. C'est-à-dire que les parents ont une responsabilité en tant que parents. Ceux qui ne connaissent pas, ils ont une charge assumée en gros. Parce que c'est là qu'ils ont un membre de la famille. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, il faudrait que l'État ait une condition normale à coexister. Parce que toujours les parents et moi, ceux qui parents et moi ont la capacité à entretenir moi comme il se doit, moi on a qu'on va échapper. Contrôle moi on a qu'on va échapper nos parents et moi on a qu'on danger pour la République. On a une deuxième solution. Troisième solution, on a aussi un bateau basé sur moi la capacité à créer des ONG, basé sur la mesure à encadrer confortablement et convenablement banawana. Parce que moi on a monté sur ça ONG, mais banawana pour les but pour s'enrichir, pour soutenir les bateaux, aide et assistance. Donc, pour une solution, on a préconisé la mise à tout. Mais on a surtout l'État, parce que l'État, il faut attirer le centre. Bon, au regard de Chege, quand vous regardez Chege, le Chege, c'est un phénomène à abolir. Le Chege, ce sont des voyous qui circulent partout dans la ville, partout. Alors, il faudrait abolir ce système-là de Chege. Mais ces chegues-là, ce sont des enfants abandonnés. C'est-à-dire les enfants qui ne sont plus dans les familles, les enfants qui sont chassés par leurs parents, les enfants qui sont considérés comme des sorciers. Malgré l'enfant n'est pas sorcier, mais s'il y a une disparition d'une petite somme d'argent à la maison, l'enfant est considéré comme chegue. L'enfant doit fuir ses parents. L'enfant sort de la maison, il va balader en route, en ville, partout. C'est comme ça que les enfants deviennent des chegues. Maintenant, ces phénomènes-là, il faudrait un phénomène abolir.
Voilà, il faut abolir ce phénomène-là. Il faut que les parents prennent en charge leurs responsabilités. Ils ne doivent pas abandonner les enfants. Il y a une loi sur la protection de l'enfant qui dit qu'on ne peut pas appeler un enfant sorcier. Est-ce que c'est responsable de la saisie officielle de l'hôtel de ville ou de la commune? C'est verse aussi dans ces problèmes de chevet? Oui, mais ça doit commencer par les autorités. Hein? Si les autorités promulguent une loi, dire que voilà, chaque parent doit prendre en charge son enfant. Mais la loi, c'est la loi. Hein? Personne ne déroge à la loi. Mais si cette loi n'existe pas, il n'y a personne qui va s'occuper de ces enfants abandonnés. Mais s'il y a une loi, les parents sont responsables. Si les parents ne le font pas, les parents sont concernés aussi. Vous venez de dire que le phénomène est un phénomène à abolir. Oui. L'abolir comment? En proposant quoi comme piste de solution? Oui. Comment il faut l'abolir? Il faudrait prendre tous ces chègues-là. Malgré nous les appelons chègues, sont des enfants abandonnés, les prendre, les mettre dans des centres d'apprentissage, apprendre un métier. On a connu certains centres qui ont récupéré des chègues, moi j'en ai vu à Kasavubu. C'est un centre qui s'occupe des chègues et il y a certains chègues qui ont changé de mentalité. Ils ont changé la mentalité, ils étudient, les centres s'occupent de ces chèques-là. Il y a des chèques qui sont devenus des hommes, des menuisiers, des mécaniciens. Ainsi. En tout cas, pour nous, la monde, il faut faire l'effort, faire l'effort. Gouvernement, faire l'effort pour nous, la monde, chèques. En tout cas, nous avons abandonné à cause que au moins, tant que maman a koufa, atke na papa na e, bon, moi si papa na bali, a komi ke o mwano a zandoki, a robenga na mwana, mwano mwana oke na libanda, mwana komi shege, a bazo koumaka bebele pona maramba bongo, msusu mwana, ba para na e ba koufa, a zo vanda pa tante, mwana ta msusu tante wana a zo siporte biente, a olinganina kende libanda, a komi shege. Po langan tuka fo gouverne, me sala makas, ba si sa makambwana. Po, na mikoleke ya bakokoma susu ebele ya koleka lisusu donc bakomi ebele vraiment en tout cas pona ngai su na moni chege sa nga mutema pasi etanke naza mama moboti na koko linga teke mwana ngai atambwa na balabala ala na place moko oyo eza esengeli te pona ngai lokwa naza mama moboti en tout cas sa nga pasi na sepelaka te likambo wana ekontinue na mboka na biso na ningaka likambo wana mboka na biso esila mama na mama papa na papa azwa charge ya mwana na ye en tout cas mpona mikoleko ya guvernema soki ate likambo te bashege bakokoma kuta ebele koleka po soki kuluna oyo ekomi mpona nini mpona bashege motu bakomi koforme lisanga wana ale bakomi obimi na ba 5 heures bango bakangi yo basali yo mabe babambio ba machete en tout cas na place wana donc ils ont ça la passe ni gouvernement na biso il faut azo solution na likambo wana po sila po soki etika ka donc ba ko koma kutu donc ebele koleka en fait ba chege wana tout au monde ba chege lo ebele na kichasa eza tout d'abord eza erreur ba parents tout au vie erreur ba parents eza erreur ya ba jeune fille en plus jeune fille lo obotami na famille mon roboe. Papa a éduqué tika mobulu. Ozobo ya koyoka moko tika mobulu. Papa na abotaki yo atangi shio. Papa na komoke na pension. Est-ce que koko wana est-ce que papa za na temps ya kobokola e ya ko aider ninga aider kio? Lelo yo bana na bazobi mana banda kunene. Ya eza ma freyo mo rezo ya wana. Eza influence akolanda muninga na e ta mususu. Muninga ne ya chege apportata mususu ba matiti ba misala ya mabe aya influence muninga na e toke na ville tonto sala na vitu lokota ba matiti ana ko sala biso boye oka muninga ne pa alandi ya ba chege msu ba ba bima na ba na ba famille bien mais papa woni za ba bomba retardement yango to mona lelo e créer bakuluna ana iza ba chege rovanda na wenze Avant de le faire, il y a des choses qui sont machettes, des choses qui sont agressées, tout ça, il faut baser le gouvernement. Le gouvernement fait ça à ma casse. Il faut qu'il y ait un pico. 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 Il faut qu'il y
Le faux basson qui s'est habillé au courant a passé dans la porte de Zalaka. Moi, je suis sali, je suis au Kangaï, je suis au Rédiqué, je suis au PC Moussala. Je suis au Foxy, je suis au Bana, je suis au Pesa. Sans trésor, il y a la menuiserie, il y a la Nine, il y a la maçonnerie, il y a la mécanique. Moi, je suis au Romi, au Combo, au Balabal, au Kumba, au Mesa, au Moussala, au Sala, au Zomé, au Soupe, au Natolo, au Zomé, au Chambre. Je suis au Lobané, au Také, au Pep. Bon, je suis un homme qui a été 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 un homme qui a de tout ça qu'on préparait déjà bombe à retardement pour la nation d'Abisso. C'est facile pour nous utiliser la chègue, même dans le sal, même le crime moroboyé contre la même population. Donc, au regard de la chègue, il faut vraiment tout prendre la situation au sérieux pour nous avoir vraiment retard, bombe à retardement dans la nation d'Abisso. Bon, solution vraiment, on a recopé ça. Premièrement, d'abord, il y a prise en charge. Au gouvernement na biso akoyozo ango donc gouvernement il faut apprendre ba responsabilité na maboko parce que ceux qui le lo à prendre prise en charge d'abord il y a ba parents atie parents na ba condition moko meilleure ba parents ba koyé ba ko assumer ba responsabilité na bango ba chege mingi za ko bien ba chege pourquoi parce que ba parents ba dave mana na revenu moko malongate yango to mona ba chege wana parents ko za incapable ya ko prendre ban moi nané en charge moi na yemo ko sikoyo akomi ko se prendre en charge msusupe ezali ba parents ba koufi tout ça ba ndeko pe bazana na incapacité pe reprendre bana wana en charge ba rejeter bana wana na balabala donc na centre nyo so vraiment ezali d'abord l'état congolais et bongi à prendre ba population na en charge acha population na bango à l'aise soit acha population na à l'aise fluo oyoyo trop sentir en haut dessus tout aux alain pé diminué à part ça ba ONG na ba église bango pe bazana part ya responsabilité. Voilà, c'est notre devoir, nous Congo Mikili, de vous informer. Et Yarosa la paix, moi, banquette, Yaboye, je crois, et ça, matière, y'a réflexion pour Nayo, pour Nanga, pour Nabatunyonso. Donc, au coquille que maître idée Nayo, bah, oyo, bah, ça, les laka, bah, ma canici, bah, coquille que Zouango peut utiliser en haut. Et nous demandons surtout, Naba responsable, bah, chef, bah, Kondiamoka, Nago, créer système, le col à paix, bandeko, bah, lobby. Pour créer un système d'encadrement puis qu'on paie sa population vie au ebongi pour Namoutou. Parce que plus souvent, les phénomènes là sont créés dit Yakozanga, dit Yapasi, dit Yabamakambu Bongo Kaka. Société, zo vivre bien, te, na faiblesse ou en apparent, aza na capacité à contrôler sousou, bana normalement, te, et fin de fin. Moi, je suis un peu plus grand que moi, je suis un peu plus kuluna, surtout phénomène kuluna et comme en vogue, na ba commune nyonso kuluna existe. Et ceux qui to zongi moi mukie, on va vite comprendre que ma kambu ya ba kuluna c'est dit na ba enfant de la riwana parce qu'il a mal encadré a monité na kolia wapi na osa nini a yibi a buki a beti a zokisi. Et plus tard, tu as commencé à assassiner ma casse, rébellion, tu as utilisé Bango pour passer à ma baie. Alors, il est temps pour les responsables, pour les Bakonzi, de faire charge à Congolais, à moi, à Mboka, de surmonter, de faire en charge à besoin de peur que je sois comme je crois dans les jours à venir, Kadhafi a quitté la carte terrain, a salé entretien. Na bachege bango moko. Restez scotché sur Congo Mikili. Au revoir. Congo Mikili, tout sur le Congo, on a un clair.